Avec mes collègues, on se pose quelques questions sur cette affaire. On n'a pas tout compris dans votre dernière version. Mais c'est simple, si vous voulez tout comprendre, c'est pas moi qu'il faut venir voir. C'est Marcus. C'est lui le cerveau d'affaires, c'est pas moi. Bon, capitaine, allez le chercher, monsieur Marcus, là. Ben moi, je voulais pas les suivre. C'est eux qui m'ont forcé. Ils m'ont forcé à venir avec eux. Quoi ? Oh, monsieur Bramy, on le raconte n'importe quoi, là ! On le laisse parler, ça tourne. Oh, fais gaffe, on en parle. Monsieur Bramy, s'il vous plaît, laissez-le parler. À vous, monsieur Marcus. Ben, au départ, ils m'ont forcé à prendre ma voiture. Et, ils m'ont forcé à aller devant la maison de mon patron. Bon, ça vient là ? T'es sûr qu'il est pas là, ton patron ? Il est bien à son défilé de mode avec sa grognasse, là ? Ouais, il est là, mais moi, c'est bon, j'ai plus envie de le faire, c'est trop dangereux. Comment ça, t'as plus envie de le faire ? C'est quoi, ce cirque, là ? Bah, tu vas pas te débiner ? On a tout défini hier soir ! Non, mais c'est bon, déjà, la semaine dernière, vous avez voulu qu'on casse une bijouterie avec ma voiture. Déjà, résultat des courses, on n'a rien cassé du tout. On a cassé ma voiture, alors c'est bon. Mais hein. C'est le principe du casse-bélier, ça, mon pote ! Bah, c'est pour ça qu'on prend la voiture de ta femme, ce week-end, on a plus de voiture. Ouais, mais c'est bon, la voiture de ma femme, putain, je vais encore me faire engueuler, je vais encore avoir des emmerdes à cause de vous. Hein. Mais un peu de solidarité, mon ami, oh ! Bon, écoute. On y va. T'es sûr qu'il n'y a pas d'alarme ? T'es sûr ou pas ? T'es sûr ? Mais il n'y a pas d'alarme ! Il n'y a pas d'alarme ! Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas d'alarme ! Ouais, c'est ce que je veux savoir. Là, pendant les vacances, je suis venu tous les mardis et tous les jeudis, je suis venu de longueur le shop et je suis venu arroser les plantes. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'alarme. C'est bon qu'il n'y a pas d'alarme. Allez, les gars, cagoule ! Allez, on y va. Elle fout ta cagoule ! Oh putain ! C'est quoi ce cirque là ? Bah tu m'as dit de prendre une cagoule ! Mais je te dis, c'est ma cagoule ! C'est quoi ça ? Mais c'est ma cagoule pas de bonheur ! C'est ma mère qui me l'a achetée il y a 5 ans ! Et je la mets pour dormir avec ! Je la mets quand je suis stressé, ça me rassure ! Oh lolo ! Bon, on a plus le temps là. Vas-y, Zouir. Alors, attends, s'il y a une alarme, on va envoyer une Marcus. S'il y a une alarme, c'est pour sa gueule. T'as raison. Ça a l'air d'aller. Moi, je le fais pas, c'est bon. Arrête. Alors, mais non, écoute, mon petit père. Les espèces, les bijoux de famille, c'est où, là ? Je sais pas, moi, je suis venu cet été. Mais comment ça, tu sais pas ? Moi, je suis juste venu pour nourrir le chat et pour arroser des plantes. Je sais pas, moi, là, il y a des Lego là de 1974, ils sont collecteurs. Vous pouvez revendre ça facilement. Mais tu te fous de ma gueule, si j'avais voulu braquer un magasin de jouets, on serait pas venu là. Alors, les espèces, les bijoux, c'est où ? Mais je sais pas, moi. Putain, c'est pas vrai. Fredo, vas-y, ratisse le bas, là. Ah oui. Oh, qu'est-ce que tu fous, là ? Bah, je profite du fait qu'on est là pour nourrir le chat. Non, on est venu nourrir un chat, là. C'est un plan cambriolage. Ah, et le pauvre, il a pas à manger. Allez, c'est par là que ça se passe, allez. Oh, c'est pas le moment, il faut que j'aille aux toilettes. C'est pas possible, mais qui c'est qui m'a mis un mec pareil ? Oula, tu crois que c'est pour nous, ça ? Ouais, putain, merde. Oh, c'est pas il est où, Marcus ? Ah, on s'en fout, on se casse. Les mains en l'air, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas moi, je sais rien, c'est pas moi, je vous jure. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est pas moi, je vous jure. C'est pas moi. T'as des armes sur toi? Non, j'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes. Donc comme ça, on va retrouver aux chiottes. Eh ouais, aux chiottes. Bah quoi? J'avais besoin d'alléger ma conscience. On m'a toujours appris que qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. Je pense qu'on en sait suffisamment maintenant sur vous. Ah ouais? Bah c'est lui le cerveau d'affaires, moi je suis qu'une victime dans cette histoire, moi. Victime, je sais pas. Mais manipulé, ça, oui. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Bien joué, mon capitaine. Vous m'avez donné pas mal de fil à retordre, bande de blaireaux. Bah, mon capitaine, vous avez trouvé où cette cagoule ? C'est ma cagoule porte-bonheur.